Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation et non plus tutoriel puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mon premier e-book. Donc pour ceux qui me connaissent déjà sur ma chaîne et qui m'ont déjà vu donc je fais des tutoriels sur le pack office Microsoft. Et bien donc j'ai décidé il n'y a pas si longtemps que ça donc de pouvoir essayer de faire en sorte de préparer donc des e-books. Donc ici eh bien voilà mon premier e-book. Vous allez voir donc ça va être ici mon premier lancement de mon premier livre et on va voir ici comment ça fonctionne. Alors pourquoi ce premier e-book? Eh bien, on va aller voir juste après. Voilà, donc pourquoi cet e-book et pourquoi j'ai décidé de faire effectivement ce livre numérique et sur quel sujet? Donc là, le sujet, ça sera donc les fonctions d'Excel, notamment les fonctions avancées. Donc ici, hein, le sujet, ça sera maîtriser les 50 fonctions avancées d'Excel. Et pourquoi cet e-book? Eh bien parce que je me suis rendu compte par mon expérience professionnelle sur le terrain. Donc pour ceux qui le savent peut-être pas encore, voilà, donc je suis formateur professionnel, voilà, pour adultes. Donc j'anime des formations auprès des salariés des entreprises pour que ces personnes puissent se perfectionner. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, très très souvent, dans plusieurs, généralement, dans beaucoup 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 de cas, je me rends compte que les fonctions qu'on utilise au quotidien donc, sont toujours les mêmes. Et aujourd'hui, même si Excel possède plus de 650 et quelques fonctions, eh bien sachez que il n'y a pas besoin de connaître toutes les fonctions d'Excel, mais au moins une bonne cinquantaine. Et parmi ces cinquantaines, vous allez voir, ce seront toujours les mêmes qui vont revenir en fonction de vos besoins au quotidien. Voilà, donc du coup, eh bien j'ai rassemblé ces 50 fonctions dans un seul e-book pour que vous puissiez donc eh bien les appréhender. Alors les besoins effectivement des utilisateurs sont vraiment identiques. Et c'est la problématique qu'ont évidemment souvent des stagiaires que j'ai qui me demandent, ouais, mais je ne sais pas laquelle choisir par rapport à une autre. Souvent parce que les gens ne connaissent pas déjà la fonction, donc évidemment, ils ne peuvent pas identifier la bonne formule à utiliser ou la bonne fonction à aller chercher. Voilà, donc, et ensuite, la deuxième difficulté qu'ont aussi les personnes, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, c'est qu'une fois qu'on a la fonction, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment elle marche. Et donc, il faut comprendre la syntaxe et comment utiliser les fonctions. Voilà, donc ça, c'est l'objet vraiment de cet e-book. Donc, pour pouvoir ici bien avoir en un seul package la globalité des 50 fonctions les plus utilisées dans Excel. Alors, la méthodologie que j'ai utilisée pour vous apprendre à maîtriser ces fonctions, le mieux, hein, c'est encore une fois, comme je le dis souvent dans mes formations, c'est il n'y a que la pratique qui fait. Donc voilà, donc toute cette méthodologie et la pédagogie que j'utilise, donc c'est d'utiliser des exercices. Voilà, donc c'est de faire des exercices, des cas pratiques pour bien appréhender la fonction. Et souvent donc les cas que j'ai utilisés ou les exercices que j'utilise donc sont pris bien soit d'expériences passées ou de demandes donc en gros hein, de la vie courante. Donc c'est tout ce que j'ai pu rencontrer déjà dans mes activités. Je vais faire des cas concrets. Alors évidemment ça sera sous type de format classeur. Donc aujourd'hui eh bien le pack se aura donc des classeurs. Donc le support hein, ça sera vraiment des classeurs Excel avec des feuilles et à l'intérieur donc eh bien les formules toutes faites déjà. Et évidemment pour pouvoir encore mieux appréhender les fonctions donc eh bien je vais utiliser donc les tutos vidéo. Donc ce sont les vidéos que vous connaissez déjà pour peut-être certains. Voilà, donc je vais en plus du classeur donc pouvoir mettre en place des vidéos qui vont apprendre pas à pas comment utiliser et appréhender cette fonction. Et évidemment donc bien dans ce package, dans ce e-book, bon vous aurez les fichiers téléchargeables.
Donc sans mot de passe, sans protection, sans voilà, sans aucun libre de droit. Donc vous pourrez en faire ce que vous voulez, il n'y aura aucun souci. Alors le contenu de l'ebook, donc eh bien il va comprendre à peu près une dizaine de classeurs. Et donc ces classeurs seront par fonction. Donc il y aura un classeur dédié donc pour chaque fonction. Et à l'intérieur, donc évidemment, plusieurs feuilles pour plusieurs exercices. Et dans ces classeurs-là, donc il y aura des liens qui iront donc vers ces fameux tutos vidéo. Donc là aujourd'hui j'ai fait le cumul, donc vous aurez à peu près plus de 7 heures de vidéo donc consultable. Autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, et également, donc, ben, vous verrez qu'il y aura également un petit bonus, mais que je vous découvrirai pas. Donc, je vous laisserai découvrir, hein, voilà, des petits bonus en plus du package. Alors, les fonctions qu'on va appréhender, donc, voici ici, alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Mais vous allez ici voir à peu près bien ici un aperçu des quelques fonctions qu'on va aborder dans ces fameuses 50 fonctions. Donc ils sont pas là, les 50, mais ici ce sont les principales. Donc tout le monde a peut-être entendu déjà parler de la recherche V, voilà, de la fonction équive, index, mode, somprod, concaténé. Voilà, donc ici vous aurez tout type de fonctions, donc des types de fonctions aussi bien logiques avec les si, les ou. On abordera également les fonctions de type date, donc toutes les fonctions de date, enfin les principales, vous verrez qu'il y aura énormément de fonctions sur les dates, sur des échéances, calcul d'échéance et autres. Vous en aurez également sur les textes, donc comment manipuler des textes en faisant de la concaténation de chaînes, en faisant des extractions de textes à partir de la gauche, de la droite. Donc ça, ce sont des fonctions que l'on manipule au quotidien assez régulièrement. Voilà, et puis d'autres fonctions un peu plus un peu moins courante, les sommes si ensemble pour faire des statistiques, les sommes prod, les nbval pour compter des valeurs et ainsi de suite. Voilà ici un petit patchwork de toutes les fonctions qu'on va aborder. Alors quelle l'utilisation? Donc pourquoi ces 50 fonctions? Et pourquoi ces 50 parmi les 650? Donc il y en a encore 600 que évidemment je ne vais pas montrer. Et bien tout ça pour pouvoir, et bien, et c'est vraiment là aussi encore une fois l'expérience qui m'a fait décider de ces choix. Puisqu'aujourd'hui on va souvent utiliser donc des tables de données, hein, des fameuses listes, des bases de données que vous allez extraire, que vous allez saisir par vous-même. Et généralement quand on a ces crânes de listes ou ces crânes de bases de données, et bien c'est pour en faire des analyses. Donc c'est pour analyser ces grosses sources de données. Et généralement, bien, quand on dit analyse, on va faire des stats, donc on va faire des calculs dessus, notamment. Donc, et ensuite, eh bien, ça va également vous permettre, puisque ce sont vraiment celles que j'utilise régulièrement pour faire mes indicateurs et mes tableaux de bord. Donc ça va vous aider ici à pouvoir identifier vos indicateurs de performance. Donc vous utiliserez évidemment ces fonctions pour pouvoir calculer vos KPI. Et également pour pouvoir eh bien, aussi générer vos tableaux de bord. Donc généralement, vous allez voir, on va souvent utiliser des recherches V, on va souvent utiliser des sommes si, des NBC, des moyennes si. Voilà, donc on va souvent utiliser toutes ces fonctions-là pour pouvoir générer tous ces cas d'utilisation. Pour qui? Alors pour qui est dédié cet e-book? Alors cet e-book ou ce livre numérique, donc eh bien, il va être dédié à tous. Voilà, donc là, j'ai fait en sorte à ce que ça soit également accessible à des grands débutants d'Excel qui veulent découvrir ou à ceux qui ont déjà une certaine expertise dans l'outil Excel, mais qui veulent approfondir encore les fonctions ou certaines fonctions, parce que je ne sais pas s'ils les connaissent tous. Voilà, donc, et voilà, donc pour pouvoir aussi découvrir hein, un petit peu ce qui existe. Souvent, la problématique, c'est qu'on ne sait pas que ça existe. Et donc, ben, ça va vous permettre ici de pouvoir connaître que cette fonction existe et ce qu'elle fait déjà, et pourquoi pas, peut-être pas tout de suite, mais savoir qu'elle fait ça et du coup la mettre en pratique ben, plus tard si le besoin s'en fait sentir. Voilà, et puis apprendre aussi à automatiser donc, ben, les tableaux, hein, ça aussi, hein, ça va vous permettre ici de pouvoir automatiser vos tableaux de bord et vos tableaux de calcul. Puisque très souvent, je me rends compte aussi lorsque je fais mes formations, souvent les gens, quand je leur montre les fonctions, on leur dit, ben voilà, si j'avais su avant,
j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir vous faire gagner du temps pour pouvoir automatiser vos calculs vous-même. Et évidemment, eh bien, cet outil va être aussi bien compatible avec toutes les versions. Donc là, j'ai utilisé des fonctions qui existent sur les versions 2010, 2013, 2016 d'Excel. Donc que vous ayez des versions différentes, voilà, ces fonctions s'adapteront aussi. Alors, eh bien, ça ressemblera à quoi? Donc ici, je vais vous montrer un petit exemple d'un fichier, hein, uniquement. Donc ici, je vais cliquer et ça va ouvrir donc un exemple de fichier type. Voilà, donc ici, j'ai ouvert un fichier qui va vous montrer la fonction indirecte. Voilà, donc vous aurez des explications, vous aurez ici donc des exemples avec à chaque fois donc la fonction, avec ici ben, la fonction taper, voilà, donc avec des objectifs. Vous aurez évidemment plusieurs cas, puisque derrière je vous dis il n'y a que des cas pratiques, hein, qui fera que. Voilà, ici comment utiliser la fonction indirecte pour la transformer en matricielle. Voilà, automatiquement on va pouvoir ici chercher des infos. Ici je suis allé chercher toutes les infos de ce tableau-là dans celui-ci. Voilà, si je fais West, voilà, il va chercher toutes les infos automatiquement d'un tableau et il va les afficher ici juste à partir d'une ligne déroulante. Voilà, donc on va pouvoir aussi faire bien ce genre de choses avec la fonction directe. Ça, je vous l'ai peut-être déjà montré dans des fameux tutos. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir afficher dans un tableau de bord une certaine donnée qui vient ici d'une source, ici une source qui est vraiment très 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 grande, et on va pouvoir avec cette fonction indirecte, notamment ici, voilà un cas d'utilisation directe pour des tableaux de bord. Voilà. Et évidemment, vous aurez donc pour chacun des fichiers des liens qui vont aller chercher et les expliquer ici donc sur YouTube, voilà sur ma chaîne, donc ça ira pointer sur le tutoriel ben, lié à la fonction indirecte ici. Voilà ici comment se compose cet e-book. Voilà, donc ici hein, la fonction. Alors vous allez me dire maintenant eh bien, le prix de cet e-book, évidemment. Eh bien, vous allez voir donc le prix, mais le prix je vais l'afficher. Voilà, donc le prix sera de 27 euros aujourd'hui. Voilà, donc c'est un prix vraiment très très compétitif. Puisque là, si vous comptez le nombre de vidéos qu'il y a et à peu près les 50 fonctions, donc ça, ce serait si vous l'auriez fait via une formation, donc vous en auriez eu pour plus de 300 voire 400 euros. Voilà, donc moi je vous fais le pack complet avec toutes ces 50 fonctions d'apprentissage. Voilà, pour 27 euros seulement, avec possibilité de payer en deux fois. Si vous le souhaitez. Voilà, donc bien voilà, c'est parti. Donc si vous êtes intéressé par ce pack, bien voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, allez cliquer dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous. Donc vous verrez qu'il y aura un lien qui va aller pointer sur cet e-book et qui vous permettra de pouvoir bien télécharger tous les fichiers en question, plus le bonus que je vous laisserai découvrir. Voilà, donc cette présentation maintenant est terminée. Donc ben, j'espère que ben, cet e-book vous aidera à bien maîtriser vos fonctions Excel. Voilà, ben, je vous dis bonne pratique et à très vite pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.